Nous-mêmes, nous estimons que les infractions qui sont poursuivies ne sont nullement fondées. Quelqu'un ne peut pas à la fois être auteur et complice d'une infraction. Son interrogatoire au fond étant terminé aujourd'hui, nous espérons que dans de meilleurs délais, le dossier va être communiqué au parquet pour son réquisitoire définitif. Alors, à l'issue de son réquisitoire définitif, nous estimons que le juge d'instruction va saisir l'occasion, prendre le courage en main et rendre une ordonnance de non-lieu. Cette procédure-là n'empêche pas la lutte syndicale qui a été déjà déclenchée. Et demain, Inch'Allah, demain mardi, les 13 centrales syndicales du pays réunies au sein de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, vont se retrouver pour prendre des décisions. Et parmi ces décisions figure en bonne place le dépôt d'un préavis de grève générale et illimité dans tous les secteurs publics et privés du pays.